soir chouchou, ça me rappelle le caramel. Le bazar au bla bla, je suis Arafati, c'est toi Carmen. Bonsoir. Salut. Tu vas bien, j'espère. Je vais bien. Tu vois quoi, tu peux démarrer, on va partir. D'ailleurs, là, quels sont ces messages que tu me laissais depuis hier? Chérie, oublions ça. Allons-y. T'oublier quoi? Écoute, si tu n'es pas en état de conduire, dis-moi, je vais prendre le volant. Le véhicule de qui? D'ailleurs, descends de mon véhicule. Tu blagues. Je te demande de descendre de mon véhicule. C'est moi, hein? Descends de mon véhicule, s'il te plaît. D'ailleurs, rends-moi mon téléphone. Tu es sérieux? Rends-moi mon téléphone. Chérie, s'il te plaît, oublie ça là. Tu veux vraiment. Ne me fais pas trop parler. Je te demande de me rendre mon téléphone. Un peu plus, ça s'arrête là. C'est quoi? Tu as fait le programme de venir rompre avec moi, c'est ça? Puisque tu es en tort. Et malgré ça, je m'excuse. Je peux même me mettre à genoux pour toi. Maintenant, pourquoi tu veux prendre le téléphone? Je ne comprends pas. Tu es en tort. C'est toi qui es en tort. C'est toi qui m'as trahi. C'est toi qui m'as trompé. Mais pourtant, je digère. Je ne sais pas pourquoi tu me demandes de te donner le téléphone maintenant. Je te demande tout simplement de me rendre mon téléphone. Un point, tout ça s'arrête là. Est-ce que tu as besoin de dire ça? Bah justement, parce que tu ne sais absolument à rien. Non, mais dis-moi, depuis ça fait 5 ans que nous sommes en relation. Tu as été toujours celle-là qui t'a nourri, qui t'a averti, qui a toujours pris soin de soi. De toi, du moins. Maintenant, je trouve une opportunité pour voyager et ça te fait mal. Attends, reste là. Elle est quoi? Je ne comprends pas. Donc, c'est parce que tu veux voyager que tu en profites pour rompre avec moi, c'est ça? D'ailleurs, rends-moi mon téléphone. Ne sois jamais dépendant d'une femme. Chérie, mais tu as plus du temps, hein? Je suis désolée, excuse-moi, c'est mon petit Nest là. C'est quoi? Donc tu es toujours avec ton Nest là? Oh non, tu peux oublier celui-là. Pour les passeports là, c'est dit après. Il y a déjà les cachets là-dessus. Okay. On va voyager d'ici une semaine, maintenant on va voyager. Ok, carré, ça marche alors. Mais tu crois, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'avais dit que j'ai payé appartement, là on va rester là-bas. Non? Oui. J'ai payé appartement, deux chambres, salon là-bas. Oui. Maintenant le problème est que mes dollars là doivent arriver, mais c'est pas encore là. On doit encore payer des trucs ici maintenant. Oh. C'est ça qui me donne des soucis. Je vois, non, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu sais, actuellement même là, je suis en train de chercher un preneur pour pouvoir libérer ma boutique, la vendre et pouvoir récupérer un peu d'argent. Non, toi, tu dépenses trop. Après ça, j'ai deux parcelles là que je dois vendre et tout. Donc, quand je vais tout finaliser, t'inquiète pas. Je t'ai déjà dit, concernant l'argent, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu dépenses déjà trop. Moi, je n'aime pas quand les femmes dépensent sur moi. Non, mais je vais faire comment? Je ne supporte pas. Tu vois, les billets d'avion, mais là, tu dois encore payer ça. Bébé, arrête, laisse ça, c'est rien. T'es sûr? Ouais. T'inquiète, je gère. Toi, tu dépenses trop. Tu as trop d'argent, tu dépenses comme ça. Non. Ce qu'on va faire, il faut dépenser ça à Cotonou ici. Quand on va voyager, tout l'argent qu'on va dépenser là-bas, c'est moi. Ok, chérie, il n'y a pas de problème. L'aide à payer l'appartement. Ok. Là où on va rester, là. Donc, il reste l'ameublement et tout. Non, l'aide à tout fait. Ok. Si on voyage maintenant, on va rester là-bas, toi et moi seul. D'accord? Ok. On n'a qu'à partir. Mais tu as commandé la bouffe? Oui. Tu ne bois pas? Non. Mais attends, tu as quoi? Qu'est-ce qui ne va pas là? Les trucs qui sont là que je dois gérer vraiment, ça me prend la tête quoi. Mais on vient de parler, je t'ai dit que je vais tout gérer. Ça me donne le souci. Chaque fois, c'est toi qui dépends de l'argent. Chaque fois, c'est non, toi qui dépends de l'argent. Rien, c'est encore rien de. Et là, je dois encore envoyer de l'argent maintenant. Tu viens à peine de transférer de l'argent à quelqu'un, non? Je dois encore envoyer 5 millions maintenant parce que les robes de mariage, là, celui qui va prendre ça là-bas, je dois lui envoyer de l'argent. Je dois lui envoyer de l'argent. 5 millions là, je ne sais pas comment il doit faire. Okay, oh, c'est mais pas de grave, là. Je vais gérer, t'inquiète pas. Sérieux? Oui. Tu veux payer les 5 millions encore? Oui, t'inquiète pas, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Bébé, vraiment. Tu es forte, hein? Ah. Il faut envoyer ça sur le même numéro là. Okay. Il faut envoyer ça. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas? Je peux te voir, Alexa?
Ah, je suis occupée, je suis en train de préparer mon gars. Est-ce que je puisse lui parler un instant? C'est qui lui là? C'est le beau-frère à mon ex. Le frère à mon ex beau-frère. S'il vous plaît. Il faut le voir, il veut te voir, il faut le voir. Peut-être qu'il a besoin d'argent. Quel âme? Comment vas-tu? Je vais bien. Je t'appelle, tu me défonces pas. Je t'ai trop appelé. Oh, pardon, fais pas le temps. Si tu as un truc à dire, dis-le en même temps. Pourquoi marche mon âme? Je voulais te voir à cause de mon frère. Ça fait 3 semaines, il ne mange pas. C'est quoi le problème? Hein? S'il te plaît, si c'est un problème, essayez de résoudre le problème. 5 ans, hein? Et pourquoi? Je ne l'aime plus. C'est fini, je ne veux plus ça. De la relation. Et tu vas le laisser comme ça? D'ailleurs, demain, moi, je suis en train de voyager. Je vais à l'ESCE. Et puis, d'ailleurs, est-ce que ton frère a jamais pris le vol ou pas dans sa vie? Je vais me marier à l'ESCE. Mon mariage, ça se passera aux États-Unis d'Amérique. J'ai dit quoi maintenant? D'ailleurs, ne me perds pas le temps. Hein? J'ai laissé mon gars là-bas. Va lui dire que j'ai dit c'est fini entre nous. Elle ne revient plus me déranger. Seuls les hommes se rencontrent. Hein? D'ailleurs, chérie, lève-toi, on va partir. On va partir comment? Lève-toi, on part là. Il vient de gâcher ma soirée comme ça. Hein? On a commandé à manger, non? Oh, faut laisser. Moi, je viens de payer l'addition. Lève-toi, on part. Oh, mais tu veux plus que j'envoie les 5 millions? Ah, les 5 millions? On doit envoyer pour la robe de mariage. On y va. Il a quoi? Il y a quel souci? Ah, chérie, je dis, on y va. Tout ce qu'on a payé, on n'a même pas bien. Bonsoir mon cœur. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Tu fais quoi ici? Je suis venu te voir. Ah bon? Assieds-toi. Chérie. En quoi je peux t'aider? Tu sais, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Tu es désolée pourquoi? Pour tout le mal que je t'ai causé, non? Alors là, tu devais être en Europe déjà. Oui, mais c'est à cause de toi que j'ai annulé mon voyage. Sérieux? Oui. Pour toi, je l'ai fait. J'ai vu l'avion décoller, mais à cause de toi, je ne suis pas rentrée dedans. Sérieux? Oui. Tu es sérieuse? Oui, parce que je suis loin de toi, là. Tu sais qu'il y a un truc qui me manque. C'est pour ça que je suis venue te demander pardon pour tout ce que j'ai eu à te faire. Tu sais que je ne suis pas comme compliqué, non? Non, je sais. Je savais que tu allais m'accepter. C'est pour ça que je suis là. Maintenant, j'accepte ta demande à une seule condition. Ok. Tu sais, j'ai rencontré un ami sur Facebook la dernière fois qui m'a parlé d'un aladi qui fait des trucs de retour d'affection et autres. Donc, si tu acceptes réellement continuer avec moi et si tu envisages de faire du sérieux, je préférerais qu'on appelle le Aladi en question pour qu'il vienne faire les rituels et autres. Il n'y a pas de problème. Comme ça, j'aurai le cœur tranquille. Oui, t'inquiète. Tu es d'accord? Oui. De l'appeler? Oui. Non, je viens, je l'appelle. D'accord. Chérie, tu es là? Ils sont déjà là. Hein? Ah bon? On y va. Tu vas prendre ton sac, non? Non, tout ça reste là, c'est pas... Ça va, ils sont juste là. Oh. C'est quoi? C'est quoi, monsieur, là, ça? Quel monsieur? Attends, c'est lui, elle a dit. Oui, celui qui est en boubou, là. Et le second? Le second, je ne le connais pas, je l'ai juste vu sur Facebook. Et il a dit qu'il connaît quelqu'un qui sait faire des retours d'affection et autres. Ouais. C'est quoi? Il y a non, quoi? Non, on y va. Non, ils vont finir. Si tu viens là, avant de commencer, pas de bêtises, mais là, il a. C'est que tu veux. L'argent d'abord. Il faut prendre l'argent avant de commencer. Il faut prendre l'argent avant de commencer. Bon, on a déjà là. Oui, monsieur. Bon, on a vu. Merci. Donc, on est là. Vous voulez qu'on se mette à genoux? Oui, mais d'abord, de prendre l'argent d'abord. Il t'a déjà expliqué comment tu veux. Alisson, reviens ici. Hein? Ceci ne va pas là-bas. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Je croyais que tu étais en France. Chérie, c'est à cause de lui que j'ai rompu avec toi. Attends, laisse mon ami d'abord. Laisse d'abord. Je croyais que tu étais en France. C'est de moi, tu te fous. Le jour où l'avion devait décoller, tu étais passé par où? J'étais au WC. Tu étais au WC.
C'est quoi? Et tu m'as fait attendre pendant des heures, alors que l'avion devait décoller à 10 heures. Mais chérie, je t'ai attendu jusqu'à 16 heures. Chérie, calme-toi. Chérie, tu sais, c'est à cause de lui, j'ai pas pu voyager. C'est quoi? C'est qui, chérie, là? C'est ton nest, là, ça? Je ne suis pas son nest. Ça va? Oui. Calme-toi, tu sais, l'avion n'attend que toi pour décoller. Je ne veux plus voyager. Rends-moi ce qui me revient de droit, puis ça s'arrête là.